faire le point tout de suite sur le terrain, sur ce qui se passe là-bas avec vous, Emma Barrier. Oui, les Russes continuent de grignoter du terrain au nord de l'oblast de Donetsk et plus précisément dans la petite ville de Tchassiviar. Alors, l'armée ukrainienne a annoncé cette semaine qu'elle s'était retirée d'un quartier de Tchassiviar au profit des Russes. Alors, c'est un tout petit quartier, mais qui pourrait avoir des conséquences importantes. Alors, faisons un zoom sur cette ville. Avant la guerre, vous l'avez dit, elle comptait 12 000 habitants. Il n'en reste maintenant que quelques dizaines. Et la ville, eh bien, elle est séparée en deux par ce canal qui fait à peu près 10 mètres de large. Et depuis le mois d'avril, eh bien, la bataille avec les Russes fait rage juste ici dans ce quartier, donc à l'est de la ville, et que donc viennent de quitter les Ukrainiens. En rouge, vous voyez donc la progression que ça a permis à l'armée russe et dont la ligne de front se stabilise maintenant, eh bien, au niveau de ce canal. Ce recul de la part des Ukrainiens, il pouvait être prévisible, notamment car ce quartier a complètement été détruit ces derniers mois, comme on le voit sur cette photo. Le retrait des Ukrainiens, il est aussi dû au fait que sur le canal, eh bien, des ponts ont été détruits, et ça a empêché l'approvisionnement de tous les défenseurs ukrainiens de ce quartier, et c'est principalement pour ces raisons que les soldats ukrainiens en sont partis. Auprès du média The Kyiv Independent, un militaire anonyme racontait justement le retrait des troupes ukrainiennes. Regardez ce qu'il dit. « Tenir la région était important pour nous, mais il était plus important de ne pas perdre de gens. » Pourquoi cette ville, elle est si importante pour les Russes, Emma ? Eh bien parce que son contrôle pourrait être très stratégique et pour plusieurs raisons. Déjà, géographiquement, il s'agit du point le plus élevé de la région car la ville est située sur des collines, mais aussi car juste à côté, regardez, se trouve cette route qui est une des principales voies d'approvisionnement pour les Ukrainiens. Ensuite, si on regarde à l'échelle régionale, Tchassiviar est un point stratégique car c'est le dernier verrou avant les derniers bastions au nord de l'oblast de Donetsk, comme les villes de Sloviansk ou encore Kramatorsk. Kramatorsk que les soldats russes pourraient donc atteindre avec leurs canons depuis Tchassiviar s'y capturait la ville, en hauteur donc, et Kramatorsk, qui on la rappelle, est un nœud ferroviaire et logistique de l'armée ukrainienne. Pour finir, regardez où on est actuellement, la progression de l'occupation russe au niveau de l'oblast de Donetsk. Si Kiev abandonnait donc le reste de la ville de Tchassiviar, eh bien l'armée russe pourrait revendiquer le contrôle quasi total de l'oblast de Donetsk, une région qui, on le rappelle, a été annexée par Vladimir Poutine en 2022, mais pour laquelle Kiev continue toujours de se battre. Merci Emma Barrier, voilà, c'est très clair, on a compris en tout cas pourquoi cette ville elle est stratégique pour les forces russes.